directement en distance de conflit. Donc là, le truc avec là, c'est que il a le mouvement, ça va être ça. Okay. Donc là, il attaque sous kick 1, il attaque deuxième sous kick 2, okay. Je rabaisse, je reviens tout de suite, boum. D'accord ? Pardon. Okay. Donc il vient là, 1, 2, là c'est du brossage. 1, okay. Je le brosse, une claque, un coup de coude. 1, 2, 3. Et le coup de coude, j'avance. C'est-à-dire que dans mon coup de coude, en plus, je mets le poids de mon corps. Le poids de mon corps va être dans la frappe de la main et la frappe du coup de coude. Il faut toujours qu'une frappe soit associée au poids de corps. Alors on ne déplace pas sur un pas, par contre, on déplace. 1, 2, là, on déplace. Tout à l'heure, quand on faisait l'enchaînement coup de coude, on se déplaçait vers lui. Et bien là, c'est la même chose, c'est bouger les jambes. Donc, vraiment, on, avec le poids du corps. D'accord ? Donc, deux par deux, le blocage, je répète, le blocage, c'est gauche-droite, attaque droite, défense droite, attaque gauche, défense gauche. Je viens là, je le pousse, ok ? Et je le vernis. Là, je viens ici, taper. Boum, je range. D'accord ?